j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de revenir sur YouTube, ça m'avait un petit peu manqué. À chaque fois, je dis ça, à chaque fois que je reviens, je vous dis que ça m'a manqué, mais c'est vrai en plus, ça m'a manqué. C'est juste que j'ai pas le temps de filmer. Bref, je viens pas pour me plaindre, hein, je viens surtout pour vous présenter ma participation au NYX Face Award. Donc si jamais vous connaissez pas, c'est un concours qui est sur YouTube organisé par NYX Cosmetics. La première étape, c'est entrée libre, donc du coup on met en scène ce qu'on veut. Et j'avais très envie de tenter ma chance, l'année dernière j'avais très envie aussi, mais du coup j'ai pas sauté le pas, cette année je l'ai fait. On verra bien ce qui se passe, hein. J'ai voulu représenter un petit peu la nature, parce que j'aime bien la nature, j'aime bien les fleurs et tout ça, et en plus il fait beau, donc pourquoi pas. Honnêtement, j'ai pas trop réfléchi à l'histoire que mon personnage allait incarner. On pourrait dire une prêtresse de la nature, une déesse de la nature, enfin ce que vous voulez. Mais surtout, j'avais très envie de travailler ce genre de couleurs-là et faire ce genre de forme. Je me suis inspirée de cette photo-là. C'est une photo que j'ai trouvée sur Pinterest et il me semble que c'est une école de maquillage espagnole qui fait beaucoup ce genre de maquillage-là, de ce genre de body painting. Je vous mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Avant de vous présenter la réalisation du maquillage, je voulais remercier Fashion Lenti pour les lentilles qu'ils m'ont fournies. Ils sont sponsors de concours cette année et du coup ils ont fourni un peu tout le monde en lentilles. Donc moi c'est les mini scléra, elles s'appellent Chucky et c'est en 14-17, je ne sais plus, 17 mm, I don't know. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Vous avez aussi un code promo, c'est NYX Award 25 pour avoir 25% de réduction sur leur site. Mais tout est en barre d'infos, donc vous inquiétez pas. Bref, sans plus attendre, voici les étapes de la réalisation. Let's go! Oh, je vais me fouetter avec ma coiffe, normal. Donc c'est parti, j'applique tout d'abord des lentilles, ensuite j'applique une base avant de commencer le maquillage, j'applique ensuite mon fond de teint, tous les produits sont référencés en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc je l'applique à l'éponge, ensuite je fais mes corrections, donc il y a beaucoup de corrections à faire, donc j'en mets pas mal. Je poudre le dessous de mes yeux en attendant de poudrer le reste du maquillage. Je fais mon teint avec différents fards gras, je commence par appliquer le orange que j'estompe avec mon éponge. J'applique en grande surface parce qu'après je vais réduire la surface avec du rouge que je dégrade avec mon éponge. J'oublie pas les oreilles bien sûr. Et je réduis la surface encore une fois avec mon violet que je dégrade avec mon éponge avec les autres couleurs. Je poudre tout ça pour bien fixer tout, pour pas que ça bouge. Et j'utilise des fards en poudre colorée pour intensifier la couleur et pour fondre encore une fois les couleurs ensemble. Je passe aux sourcils avec un fard à eau violet. Je continue avec les fards gras sur les yeux pour que le fard à paupières ressorte un peu plus. Et après j'applique le fard à paupières, je dégrade, j'applique le rouge en couleur de transition, je dégrade et j'applique le violet en couleur supérieure et je dégrade le tout pour bien fondre tout ça. Je fais mon liner avec un fard à eau noir que j'épaissis de plus en plus. J'applique un liner waterproof pour faire ma muqueuse et pour pas que du coup ça coule. Je continue avec le fard à eau noir pour faire un autre trait de liner plus en hauteur. Bon, et comme je suis pas symétrique, je dégrade tout ça pour faire genre c'est symétrique. Et je dégrade le noir avec les autres couleurs avec un pinceau propre. Je passe ensuite à ma muqueuse inférieure et je crayonne tout ça de fard gras blanc. Et je poudre le tout avec un fard poudre, logique, blanc. Je fais un liner en dessous de tout ça pour agrandir mon regard. Et je floute aussi pour que ça soit symétrique. Je passe à ma bouche que je n'ai pas voulu montrer, je ne sais pas pourquoi. Et je la fais en orange avec un fard à eau. Et je poudre tout ça en orange. Bien sûr, j'ai fait mon nez aussi. Je dégrade ensuite avec du violet. Je passe aux fleurs un petit peu abstraites avec du fard à eau blanc. Que je dessine à peu près ce que je veux et après je remplis du coup mes dessins. Je fais le cœur de la fleur avec un fard à eau bleu clair que j'intensifie avec un fard à eau bleu moyen que j'intensifie avec un fard à eau bleu plus foncé. Et je finis par une touche de noir au centre.
pour vraiment avoir l'effet de profondeur. Et je fais les contours de mes fleurs, mais encore une fois, c'est abstrait, donc du coup, je fais vraiment pas tous les contours et ça part un petit peu en cacahuète. Je fais tout ce qui est sorte d'arabesque, tout ce qui est trait, un peu partout pour que ça soit uniforme, pour que ça soit joli, voilà. Je rajoute du doré un petit peu partout pour faire encore un effet de profondeur et parce que c'était joli. Je rajoute des petits points au centre de la fleur en violet, mais sauf que j'avais pas capté, mais ça se voit pas. Je mets du doré au centre de ma bouche. J'applique ensuite de la nacre sur mes pétales parce que la matière était pas jolie, mais ça se voit pas à la caméra, donc on dit rien. Et j'applique de la nacre aussi un peu partout sur mon visage. Je trouvais que la bouche elle était pas assez foncée, du coup j'ai rajouté du noir à l'intérieur. J'applique du mascara avant les faux cils. J'applique ensuite des strass un petit peu partout, je trouve que c'est joli, ça rappelle ben, soit des larmes, soit sinon ça rappelle les petites perles quand il pleut sur les feuilles et tout, alors c'est trop mignon, voilà. C'était l'instant poétique. Et j'applique ensuite des petits points un peu partout parce que je trouvais qu'il manquait de blanc. Comme j'ai pas de perruque, du coup, on va faire au plus simple, je me teins les cheveux. Et je fais un petit tie and dye violet, orangé, voilà voilà, magnifique. On dirait un peu une hawaïenne quand même, je trouve. Et je rajoute une coiffe que j'ai faite en warbla dans mes cheveux. J'ai jamais autant galéré à séparer mes cheveux à cause de la bombe. Et après, je place bien mes cheveux. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, la liste des produits que j'ai utilisés se retrouve en barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et à très bientôt. Bisous.